Go pour le chapitre 1. Une femme arborant une pertelle dans le dos faisait les 100 pas depuis sa cellule. Le regard comme embrasé par la colère, une colère permanente depuis qu'elle est ici en tout cas. Lorsque ses parents ont trouvé la mort lors d'un éboulement, en tout cas c'est ce qu'on lui avait dit, et qu'on l'avait retrouvée, elle avait été emmenée chez le roi qui utilisait ses créatures fantastiques pour ses combats. Mais elle, elle ne mourrait pas et en sachant que cela mettait le roi hors de lui, elle se mettait pour objectif de sortir de vivante de chaque combat. Et justement, le prochain combat allait commencer, et ça allait être son tour. Elle avait hâte. Lorsque l'on vint la chercher, elle fixa d'un air de défi les gardes. Elle prit ses armes et marcha jusqu'à l'arène. Elle dévisagea ses adversaires, elle serra les poings et sourit. Elle s'approcha calmement de ses 5 adversaires. « J'en connais 5 qui ne vont pas sortir vivants de ce combat !» songea la femme, le sourire aux lèvres. Quand un de ses combattants se rua sur la femme, cette dernière dégaina ses épées et se battit avec lui. Il y eut des entrechocs entre les épées, suivis d'un hurlement strident quand la femme trancha la gorge de son adversaire, qui tomba au sol en se tenant la gorge pour retenir le sang. La femme lui lança un regard satisfait, puis se tourna vers les autres d'un air de défi. Les 4 hommes restants se regardaient un moment, avant de foncer tous en même temps vers la femme qui tient fermement ses épées. Les épées s'entrechoquèrent les unes contre les autres. Il y eut des hurlements quand les lames entraient férocement au contact de la peau. La femme se tournait plusieurs fois pour maîtriser chaque adversaire qui voulait lui faire face. Après plusieurs heures à se battre, la femme les avait tous achevés. Mais cela dit, elle n'était pas revenue indemne, plusieurs entailles étaient visibles. Elle leva la tête fièrement vers le roi, qui la fusilla du regard. Ensuite, elle fit demi-tour et regagna sa cellule. La nuit vint, et la femme put se reposer et penser à des choses plus calmes et plus joyeuses, comme sa vie avant, avec ses parents, ou du moins ceux qui l'avaient élevée. Car peu avant la mort de ses parents adoptifs, ces derniers lui avaient dit qu'ils l'avaient trouvée toute seule dans un panier dans leur cour. Ils avaient remarqué du sang et quelques écailles lorsqu'ils l'avaient trouvée. Si j'étais bizarre, pourquoi m'avoir recueillie alors? Leur avais-je demandé. Parce qu'on ne pouvait pas laisser un enfant mourir, avait répondu mon père adoptif. Si on m'a abandonné, c'est forcément que c'était mon destin, avais-je déclaré. Tu te trompes. Ta mère t'a peut-être laissé ici en espérant que tu aies une meilleure vie ici, avait lancé ma mère adoptive occupée à cuisiner. Si vous le dites, avais-je marmonné peu convaincue. Elle sortit de ses pensées et fixa le plafond de sa cellule, et lança un petit rire désagréable. Pour passer le temps, elle fit une petite... Pour passer le temps, elle prit une petite pierre et s'amusa à la balancer dans le ciel. Mais lorsque cette dernière effleura ses doigts et retomba sur son front, elle ne put s'empêcher de lâcher un aïe. Elle se massait le front pour faire partir la douleur. Elle n'est parfois pas douée, mais bon, elle fait avec. Ensuite, elle essaya d'enlever les anneaux de fer qui lui empêchaient de déployer ses ailes et de voler. Comme d'habitude, ses bras étaient trop petits pour atteindre ses anneaux, ou du moins, elle avait à peine réussi à effleurer ses fichus anneaux de fer, mais impossible pour elle de les retirer. Alors, elle essaya plusieurs techniques, comme utiliser les murs pour essayer de les enlever, utiliser des tiges de fer comme pieds de biche, envoyer des pierres contre les anneaux, en espérant un moment que les anneaux cèdent face aux nombreux chocs. Sauf que souvent, les pierres lui retombaient dessus et en conséquence, lui faisaient mal. Elle finit par abandonner comme toutes les fois où elle avait passé plusieurs heures à essayer de les retirer en vain.
Elle décida d'arrêter et de se reposer. Le lendemain, elle était de nouveau prête à se battre. Et c'est en se levant brusquement que la jeune femme reprit conscience qu'elle s'était blessée la veille. Elle serra les dents et poussa un grognement sourd, puis s'assit en pestant des mots vulgaires. Une journée banale se passa. Réveil, combat, nuit. Rien de plus normal pour elle et ses journées passent sans grande importance. Cette jeune femme avait même perdu la notion du temps. Coincée ici, elle ne savait plus si c'était un jeudi ou un lundi, ni si elle était en mars ou en décembre. Elle gardait toujours en tête qu'un jour elle serait libre, qu'un jour elle déplorait ses ailes et s'enfuirait loin d'ici. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette liberté viendrait plus tôt que prévu. Ensuite, un groupe de personnes sûrement étrangères à ce royaume était venu la voir, admirer la collection du roi, c'est-à-dire les créatures qu'il s'est procurées. Quand les humains venaient la voir, les yeux ronds face à sa cellule à prendre des photos, elle leur tournait le dos ou leur lançait des regards noirs. Cette journée commençait à lui taper sur le système, d'autant plus qu'elle comprenait leur langue. Elle n'avait qu'une envie, c'est les faire partir. Alors, elle prit quelques pierres et les lança en direction des humains qui, surpris, reculèrent. La jeune femme fixa les humains d'un air de défi et était satisfaite de voir de la peur dans leurs yeux. Les gardes rappliquèrent et pointèrent leurs lances face à la jeune femme qui les foudroya du regard. Mais son coup avait marché en tout cas. Les humains étaient partis et elle put avoir le calme le reste de la journée. En revanche, elle était visiblement privée de nourriture, mais ça lui importait peu. Tout ce qu'elle voulait, c'était le calme, et elle l'avait eu. Elle s'étira et s'allongea au sol, et se perdit dans ses pensées, ce qui finit par l'endormir. Cependant, elle fit un rêve étrange de cette nuit. Elle était plongée dans le noir, aucun signe de lumière, et dans cette pénombre, elle entendit des murmures qui étaient de plus en plus nombreux. Soudain, quelque chose de brillant attira l'attention de la jeune femme. Lorsqu'elle tourna la tête vers cette lumière, elle fut aveuglée et mit un peu de temps à voir que cette lumière aveuglante provenait d'un oiseau. Elle le regarda un instant et vit que les ailes et la queue de cet oiseau étaient faites de flammes. Elle reconnut le phénix. Ce dernier la fixa d'un air insistant, puis s'envola, et c'est alors que les ombres l'attrapèrent et le tirèrent vers eux. Le phénix commençait à disparaître, mangé par les ténèbres. La jeune femme tenta alors de le sauver, mais en vain. Juste avant qu'il disparaisse, la jeune femme entendit un murmure clair. « Ton cœur est le sien. » Et elle se réveilla en sursautant alors. Même s'il faisait nuit, la jeune femme savait que c'était peine perdue de se rendormir. Alors elle décida de réfléchir à ce qui venait de se passer. Et elle tenta de comprendre le sens de ce rêve. Elle se mit à faire les 100 pas et à murmurer ses pensées. Elle se demanda si elle ne devenait pas folle à force d'être coincée ici. Elle tenta de faire le vide dans sa tête et sortir le rêve de ses pensées, mais impossible. Elle était trop troublée pour le faire sortir de sa tête. Elle essaya de savoir pourquoi elle avait vu un phénix dans ce rêve et pourquoi les ombres avaient absorbé ce dernier, et d'où provenaient ces murmures. À force d'y penser, elle commençait à avoir mal à la tête et finit par craquer. Elle cria au milieu de la nuit, ce qui réveilla d'autres personnes qui râlèrent. Mais la jeune femme les ignora et à ce moment-là, elle regretta de ne pas être au beau milieu d'un combat pour faire sortir toutes ses pensées qui lui prenaient la tête. Elle donna un violent coup de poing au mur, frustré par la situation. Il regretta rapidement. « Aïe, 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 saleté le mur à la noix! Ah, ça fait mal !» pesta-t-elle en secouant la main qui était entrée en contact avec le mur. Qu'est-ce qui m'a pris, bon sang, ça fait super mal! Songea la jeune femme, toujours en train de secouer sa main. Elle médita pour se calmer, mais c'était difficile de se concentrer lorsque l'on ressent une douleur quelque part. Elle attendait qu'on vienne la chercher pour le prochain combat, et à vrai dire, elle avait hâte de pouvoir se défouler et ne plus penser à son rêve. Lorsque deux gardes au matin vinrent la chercher, elle afficha un sourire et se leva. Elle se laissa conduire jusqu'à l'arène et se prépara à se battre. Elle fonça alors sur le premier combattant qu'elle poignarda avec son épée. Mais un autre combattant en profita pour la poignarder dans le dos, sauf que son épée atterrit dans l'aile gauche de la jeune femme. Cette dernière serra les dents et fit volte-face, le regard brûlant de colère. Elle se jeta sur l'humain, l'immobilisa et lui planta son épée dans sa gorge. Elle se leva, les mains pleines de sang. Elle reprit son souffle et eut à peine le temps d'esquiver un coup d'épée d'un troisième combattant.
Elle lui fit face, bien décidée à le tuer, lui aussi. Elle avait mal, elle avait chaud, et ça l'énervait. Elle avait qu'une idée en tête, le tuer et en finir. Elle resserra son étreinte et fonça sur son adversaire à chaque pas, son envie de tuer augmentait. Le combattant tenta de l'esquiver, mais la jeune femme l'attrapa par le bras. Pour se défendre, l'homme dégaina un poignard qu'il planta dans le bras de la jeune femme. Elle gémit dans un grognement, le foudroya du regard, puis prit son épée et lui trancha la gorge. L'homme tomba au sol et tenta de retenir le sang qui s'échappa de son corps. La jeune femme retira le poignard, lança un regard noir au roi, puis regagna sa cellule. Elle s'assit à bout de souffle. Elle déchira un morceau de son pantalon et l'utilisa comme bandage pour son bras. Elle soupira et colla ses mains à son visage et réfléchit un moment jusqu'à entendre des bruits de pas dans sa direction. Bon, résultat des courses? Je ne sais pas lire. Absolument pas du tout lire.